je peux y aller? D'accord. Ah ben, ils m'ont entendu demander ça, en fait. Bonjour, tout le monde. Alors, je vais faire un exercice spécial, c'est que j'ai pas l'habitude de lire sur scène. Mon métier m'empêche normalement de lire sur scène, je suis censé connaître le texte, mais comme on me demande de lire un livre et que ça me fait très plaisir de le lire devant vous, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Les aventures d'un musulman d'ici », sachant que le musulman d'ici, c'est moi. Ça se voit un peu. Et donc voilà, je prends un chapitre un peu au hasard, donc c'est au milieu de ma vie, c'est quelque part, et on va voir si ça vous parle autant que ça m'a parlé à moi. Le chapitre s'appelle « Moi, Jean-Jacques Goldman et la belle Gabrielle ». À l'époque, j'avais abandonné toutes les choses futiles qui pouvaient m'éloigner de ma religion, sauf une. C'était trop difficile pour moi. Je n'y arrivais pas. La musique. J'ai toujours été un mélomane presque autiste, tellement j'avais besoin de musique pour vivre. Aujourd'hui, je sais que c'est mon côté artiste, ma créativité a besoin de notes pour exister. Mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi je n'arrivais pas à me débarrasser de ce péché. Car c'est comme ça qu'on le voyait à l'époque, un péché qui pouvait nous envoyer directement en enfer. Mais voilà, j'étais fan de Jean-Jacques Goldman et j'avais besoin d'une thérapie journalière de musique goldmanienne pour exister. Mon père m'avait acheté un Walkman, c'était à la mode à l'époque. Je suppose que vous savez tous que c'est un Walkman. Non? Bon, s'il y en a qui ne savent pas, c'est un lecteur MP3 du passé. On mettait des cassettes de... Vous savez c'est quoi une cassette? Bref, je continue. Donc bref, mon père m'avait acheté un Walkman et avec mon argent de poche, j'avais acheté tous les albums de Jean-Jacques Goldman et je les écoutais un à un sur la route de la mosquée. Écouter Goldman sur la route de la mosquée, ça peut paraître incongru, mais avec du recul, je me dis que c'est une belle image de mon identité. Et donc un jour, à la mosquée, j'étais arrivé en retard et du coup, en plus de la punition classique, je me suis retrouvé derrière, à côté d'un élève nettement plus âgé que moi. J'ai sorti mon Walkman de ma poche et l'élève en question me l'a pris des mains. Il a regardé la cassette et puis m'a regardé choqué. T'écoutes Jean-Jacques Goldman? Bah ouais, il chante bien, non? Mais t'es fou, il est juif. Quoi? Je savais même pas ce que ça voulait dire, moi, juif. En fait, si, je savais un peu. La plupart des livres que je lisais parlaient de ces gens qui étaient à l'origine de tous les maux de la terre, mais je n'en connaissais aucun. Et là, j'apprends que Goldman, d'un coup, est juif. Alors merde, ça change tout, ça. T'écoutes un juif? Bah en fait, je savais pas et... Attends, t'es con ou tu le fais exprès? Goldman, c'est clair que c'est un nom de juif. Ah bon? Mais ouais, Mann, Berg, Feld, Stein, c'est des noms de juifs. Attends, Berg aussi? Oui, Berg aussi, je viens de te le dire. Quoi, Spielberg aussi? Attends, franchement, t'es con, quoi. Steven Spielberg, c'est pire, c'est un sioniste. Attends, sioniste, c'est quoi ça, en fait? Sioniste, c'est très simple, c'est juste pire qu'un juif. Ah, merde. J'avais encore plein de questions sur cette nouvelle découverte désastreuse, mais le prof nous avait remarqué et nous a fait signe d'arrêter. Un conseil que je te donne, m'a dit le pote, jette cette cassette et ne l'écoute plus jamais. D'accord. J'ai remis le Walkman dans ma poche et je n'ai plus osé le sortir jusqu'à la fin du cours. Sur le chemin du retour, qui durait facilement une heure à pied, jusque chez moi, je n'ai pas osé toucher ce maudit Walkman. Je crevais d'envie d'écouter de la musique pour m'évader des bruits de la ville, pour rêver, pour ne pas marcher seul, mais je n'osais pas. Après tout, Goldman était juif et c'était trop grave. Je risquais l'enfer et ça ne m'enchantait pas du tout. C'est la marche la plus longue que j'ai dû faire de toute ma vie. Le temps ne passait pas, les chemins me semblaient encore plus sinueux et pour combler le tout, il s'est mis à pleuvoir encore. Arrivé chez moi, je n'étais pas d'humeur à parler à qui que ce soit et je suis monté rapidement au deuxième étage où se trouvait ma chambre. Je me suis enfermé et me suis jeté sur mon lit. J'ai pris le Walkman, j'en ai retiré la cassette de Goldman. J'ai regardé cette cassette pendant de longues minutes, puis j'ai ouvert la fenêtre et me suis apprêté à la jeter. Juste avant de la lâcher, je regardais cet objet en plastique qui devait m'envoyer directement en enfer. J'ai regardé le ciel. J'ai cherché Dieu. Je l'ai cherché longuement, puis je lui ai parlé. Ça doit vous étonner qu'un adolescent parle à Dieu, comme ça, sans aucune précaution oratoire. Bah, si vous connaissez un peu ma vie, vous savez que je parle tout seul et que donc, quand on parle seul, c'est facile de parler à quelqu'un qui ne répond pas. Du coup, bah, je me suis habitué à parler directement à Dieu. J'ai commencé beaucoup plus jeune à lui poser des questions, à lui demander des choses. Et donc, il était normal qu'en ce jour précis, je lui parle. Dieu, c'est comme ça que je l'appelle. Je sais que ma question va vous paraître bizarre, mais j'aime la musique et j'aime écouter Goldman. Je sais, il est juif et on ne peut pas. Mais justement, je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas. Il dit rien de mal et moi, ça me fait du bien. Alors, pourquoi est-ce que vous avez permis que ça me fasse du bien alors que c'est interdit? Pas de réponse. Est-ce que c'est vraiment interdit? Pas de réponse. Dieu, si vous m'interdisez quelque chose qui me fait du bien, c'est que soit vous n'existez pas, soit vous êtes mauvais et vous n'êtes pas le bon Dieu,
Pas de réponse. Soit vous n'avez jamais dit ce genre de choses, et c'est pas vrai. Et là, deux pigeons se sont installés sur la corniche et m'ont regardé en roucoulant. Je sais, vous allez me dire, il tire encore son histoire par les cheveux. Et ce n'étaient que deux pigeons qui venaient roucouler sur la corniche de ma fenêtre, comme ils le faisaient tous les jours. Mais moi, j'ai décidé d'y voir un signe. Quand on est adolescent, on cherche des signes partout, et celui-là me suffisait. Pour la première fois, je me suis dit qu'on faisait dire à Dieu des choses qu'il n'avait jamais dites. Et c'est ça que les deux pigeons voulaient me faire comprendre. J'ai refermé la fenêtre, redéposé la cassette dans le Walkman, posé les écouteurs sur mes oreilles, puis j'ai appuyé sur le bouton en me disant que le monde était meilleur quand la musique est bonne. Ouais, je sais, je suis auteur. Première fissure dans le mur épais de mes certitudes. Le monde n'est pas manichéen. Il n'est pas binaire. Il n'est pas fait de halal versus haram, licite versus illicite. Il y a quelque chose entre tout ce que ces livres m'ont appris sur la culpabilité que je dois ressentir du fait de ne pas vivre ma religion assez durement, commençait à me paraître dangereux. Mais il n'y avait rien d'autre à l'époque sur le marché, rien pour m'aider. En fait, si. Il y avait bien ce livre qui trônait sur le meuble du salon en bas. Il est vieux, il a plus de 1300 ans. Peut-être que lui pourrait m'aider. Je suis descendu pendant la nuit et j'ai récupéré le Coran qui se trouvait dans le salon. Il était écrit en arabe avec la traduction en français sur la page d'à côté. J'ai pris la décision de le lire. La méthode était simple. Je lisais en arabe et dès que je ne comprenais pas un mot ou une expression, je lisais la partie en français pour essayer de comprendre. Ça m'a pris des mois, mais j'y suis arrivé. Je venais de lire le Coran complètement et j'ai vécu un choc énorme. À la fin de la lecture, je n'ai rien trouvé sur tous ces interdits qu'on m'imposait, sur cette haine de l'autre qu'on essayait de m'inculquer. Rien. Toutes ces pratiques que je vivais au jour le jour n'étaient pas liées à l'islam, mais à la tradition. Je me suis d'ailleurs jamais remis de ce choc. Mon monde s'ébranlait autour de moi, les certitudes qui me protégeaient volaient en éclats. Ce qui me faisait peur, c'est que j'étais sûr d'avoir une foi inébranlable. Et là, tout doucement, elle vacillait. J'étais envahi par le doute. Et le pire, c'est que ce doute était permis par ce livre qui citait en exemple Abraham, le patriarche, qui lui-même doutait. Et si la foi était tout simplement le doute, et le doute était le propre de la foi, beaucoup de questions, très peu de réponses, mais une seule certitude, j'avais été berné. Mon rapport au religieux changeait tout doucement. Je pratiquais toujours autant, je lisais toujours autant, mais je n'acceptais plus aussi facilement, n'acquiesçais plus aux prêches de l'imam. J'avais besoin de vérifier tout ce qu'on me disait et je commençais tout doucement à découvrir ce qu'on appelle le sens critique. Goldman fut donc ma première bouée de sauvetage. La deuxième vint au courant de la même année. J'étais en fin de secondaire à l'Athénée et j'essayais toujours de trouver ma voie. J'étais un peu plus flexible, mais le rapport aux filles était toujours encadré par des règles religieuses. Pas de bise, pas de contact, discuter de préférence avec une musulmane, etc. Puis elle est arrivée comme un chien dans un jeu de quilles. Et elle a balayé tous mes principes aussi vite qu'elle était arrivée. Elle, c'est Gabrielle. Vous pensez bien que c'est un nom d'emprunt. Je veux bien raconter mon intimité, mais il y a des limites quand même. Gabrielle, elle avait ce côté fougueux, nonchalant, artiste, qu'on ne voyait qu'à la télé. Elle s'est prise d'amitié pour mon groupe de copains et pour moi, par extension. Elle ne voyait pas en nous des Arabes ou des musulmans, mais juste des potes avec qui elle s'amusait et qui la faisaient rire. Je dois avouer que tout le petit groupe avait le béguin pour elle, et moi y compris. Et tout bascula avec elle. On ne serre pas la main aux filles, qu'à cela ne tienne. Gabrielle nous faisait la bise sans nous laisser le choix. On ne peut pas rester seul avec une fille, sinon le diable s'infiltre entre nous. Gabrielle, elle s'en fout. Elle nous invitait dans sa chambre pour écouter de la musique et elle fumait une cigarette sur le rebord de sa fenêtre. Aucun des principes religieux vitaux que j'essayais de m'appliquer ne résistait à cette tornade de vie. Et plus le temps passait, et plus j'aimais sa présence folle au milieu de nous. Elle était différente et en même temps similaire. Différente car nous venions d'ailleurs et pas elle, similaire car nous avions grandi dans la même ville, dansé aux mêmes musiques et ri aux mêmes blagues. J'allais de plus en plus souvent chez elle et je délaissais les conférences dans les mosquées. On se retrouvait le soir après l'école en groupe et on allait soit en ville, soit chez elle et on refaisait le monde. Pas étonnant d'ailleurs que la première fois que j'ai découché, c'est chez elle que j'ai passé la nuit avec d'autres copains. On restait là à discuter de la vie, de nos peurs, de nos angoisses, de notre avenir qu'on n'arrivait pas encore à voir, une vie d'ado quoi. Et puis un jour, elle m'a appris qu'elle était juive. Quel choc. Ouais, je sais. Autant je pouvais pardonner à Goldman d'être juif parce qu'il avait un statut particulier dans mon monde, mais là, c'était pas un auteur-compositeur de génie dont on parlait, mais d'une copine. Une copine juive. Merde. Mais ça changeait tout, en fait. Et la Palestine, et Israël, et les colonies, et quoi, en fait ?
Ça changeait quoi finalement? Je me suis posé la question en rentrant chez moi. Ça changeait quoi en fait? Elle restait la même, non? Elle n'était pas différente maintenant qu'elle était juive. De nouveau perdue. J'essayais de nouveau de chercher dans mes livres et si je pouvais être ami avec une juive. Je cherchais dans les livres car je savais ce que je risquais comme réponse à la mosquée ou à l'école arabe. Ce n'était même pas la peine d'essayer. Si déjà Goldman, ce n'était pas possible, je n'ose même pas imaginer ce qu'ils auraient répondu pour une copine. Imaginez un peu. Elle était juive, fumait sous le rebord de la fenêtre en écoutant de la musique. C'est un strike au niveau péché. Et de nouveau, rien dans le Coran. Rien qui ne me pousse à la haine, rien qui ne m'interdise d'aimer ou pas, de me lier d'amitié ou pas. Bien entendu, on a continué à être amis. J'ai été assez triste qu'elle quitte l'école l'année d'après. Je ne l'ai d'ailleurs plus jamais revue, mais sa présence cette année-là m'a catégoriquement changé à tout jamais. En effet, depuis cette rencontre, j'ai entendu de nombreux discours haineux à l'égard des Juifs. Mais à chaque fois qu'un tsunami de haine venait s'abattre sur moi, je fermais les yeux et je repensais à Gabrielle. Elle était devenue mon île. Je courais me réfugier sur cette île le temps que le tsunami s'abatte et finisse par disparaître. Je savais quelle fille géniale elle était et que par sa présence dans mes souvenirs, les discours haineux à l'égard des Juifs ne pouvaient être qu'un ramassis de conneries. À sa manière, elle aussi, elle m'a sauvé. Merci. Voilà. Vous venez d'entendre Ismaël Saïdi qui est en tournée avec sa pièce Djihad. Ceci est une des lectures qu'il fait généralement, c'est vrai, en étant acteur plus que lecteur. Donc nous sommes à un moment de cette rencontre sur les religions et ce débat-ci porte en fait le titre des deux jours, la religion dans la cité, la religion dans la ville. Nous avons trois personnalités pour en parler qui sont connues pour être des vraies personnalités, pour avoir des opinions tranchées. Et sur un sujet qui est assez clivant, même si, vous le verrez, nous avons fait un sondage qui finalement, on se rendait compte que sur un certain nombre, le sondage Le Soir, RTBF, Ipsos et Orella, sur un certain nombre de sujets, finalement, les gens sont peut-être parfois plus d'accord sur les éléments de religion ou les questions sur la religion qu'on pouvait l'estimer. Donc, je vais d'abord vous présenter nos panélistes. Donc, il y a Hervé Asquin, qui est aujourd'hui le grand ordonnateur de l'Académie royale de Belgique, qui y mène un lieu de débat, un lieu de grande ouverture et un beau lieu de débat dans la ville aussi, qui a certainement participé à l'introduction, le fait de rendre davantage vivant le débat dans la ville. Il est aussi connu pour des positions tranchées, certainement sur le rapport à la religion, à la laïcité. Il est franc-maçon et donc il a été recteur de l'ULB également, historien. Et il a écrit un livre récemment sur les pays d'islam et de la franc-maçonnerie. Alors à côté de lui, il y a Madame Geertz, Nadia Geertz, qui est connue comme militante de la laïcité, militante de l'antiracisme, du féminisme, son combat aussi contre l'extrême droite. Vous êtes philosophe. Tout à l'heure, il y a eu un échange déjà un peu sympathique parce qu'on va le dire tout de suite, comme ça, Monsieur Ramadan lui a dit voilà, mais il paraît que vous êtes la Caroline Forest belge. Alors elle a dit, et moi je lui ai dit, vous avez aimé Caroline Forest, vous l'avez adoré Nadia Geertz. Donc, mais non, le but est de pouvoir confronter les opinions. Et donc voilà, donc Nadia Geertz a une pensée forte et une pensée qu'elle a exprimée aussi dans des livres. L'un des derniers était écrit en collaboration avec Sam Touzani, qui est « Je pense, donc je dis, la liberté d'expression à l'usage des jeunes ». Et puis on a Tariq Ramadan, qui est ici à nos côtés, qui est sans doute dans le monde des islamologues s'exprimant en français, celui qui est le plus connu, le plus regardé. Je crois que sur Internet, il y a des millions de gens qui peuvent vous suivre sur certaines de vos vidéos. Il nous dira, il le dit, que c'est une spécialité dans le monde francophone. Dans ce monde francophone, il est en plus le plus controversé. Et donc, nous l'avons invité parce qu'il vient de sortir un livre aussi qui s'appelle « Le génie de l'islam », qui est une volonté, à sa manière, je dirais, de traduire ce Coran, c'est un peu l'exercice que faisait Ismaël tout à l'heure, mais de donner un petit peu leur véritable portée ou la manière dont lui interprète ou projette ce texte à qui on fait dire beaucoup de choses. Et donc, on est très ravis de vous avoir tous les trois ici et de pouvoir confronter les idées. On va commencer avec Jean-Pierre Jacquemin de la RTBF. Je voulais d'abord vous confronter au résultat du sondage qui disait poser la question, en fait, justement, est-ce que la religion a la place dans la cité, est-ce que la religion a sa place dans la ville.
Et quand on interroge les Belges qui ont été sondés, 73% d'entre eux estiment que la religion relève de la sphère privée. Un peu étonnamment, quelque part nous étions surpris, 75% des personnes qui se disaient musulmanes étaient de cet avis aussi, 92% des incroyants, ça c'était quelque part beaucoup plus attendu. Et donc, j'ai posé la question d'abord à Monsieur Ramadan pour voir un peu, parce que faut pas se leurrer, quand on pose la question de la religion dans la cité, est-ce qu'elle a sa place dans la cité aujourd'hui pour beaucoup, hein, cette question, elle se pose plus, certains mettent un sous-titre, est-ce que l'islam a sa place dans la cité, puisque c'est sans doute la religion qui, pour l'instant, la manifestation extérieure la plus revendiquée, que ce soit vestimentaire, par la parole, par la volonté de faire vivre cette religion, chose que sans doute le monde catholique, on en discutera tout à l'heure avec monsieur de Kézel qui est là dans la salle, l'archevêque de Malines-Bruxelles, je pense que les catholiques n'osaient plus aller jusque-là. Et donc j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez-vous que la religion a sa place dans une ville et dans quelles limites ? Bien, merci. D'abord, merci de l'invitation. Je pense que c'est une discussion fondamentale parce que les résultats que vous avez donnés sont confirmés dans pratiquement 7 ou 8 autres pays européens où les musulmans s'expriment dans le rapport le respect de la loi, l'appartenance au pays. En Allemagne, même plus en Allemagne, les Allemands de confession musulmane que les Allemands eux-mêmes se sentent appartenir à l'Allemagne. En l'occurrence, c'est des chiffres surprenants. Et c'est là où il faut qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire que la sphère privée ? Bien entendu, aujourd'hui, il faut qu'on soit extrêmement clair. Le cadre public, c'est la loi commune, qui est la loi de la laïcité ou de la neutralité, selon que l'on l'entend, et ceci doit être extrêmement clair. Ça veut dire qu'un citoyen belge de confession musulmane respecte la loi. Maintenant, ce qu'il se donne comme une autorité religieuse, ce qu'il reconnaît, les prêtres ou les rabbins ou les imams, ça c'est sa sphère privée, à elle ou à lui, et donc ça se vit de façon privée en matière de gestion de l'autorité religieuse et l'autorité de la foi. Est-ce que ça veut dire que quand on a dit ceci, il n'y a pas d'expression de visibilité publique dans la cité? Bien sûr que non. Vous avez une expression publique de tout ce qui peut être le christianisme. La culture belge est une culture qu'on dit aujourd'hui être judéo-chrétienne. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on disait chrétienne. On a intégré cette dimension. Et donc, ça veut dire que ce qu'on attend dans la sphère publique, c'est que personne, jamais, de quelque religion qu'elle ou qu'il soit, n'impose à un autre le dogme de sa foi ou l'autorité de sa religion. L'espace neutre, c'est là où on vit ensemble. Ceux qui font de la laïcité une idéologie qui veut faire disparaître le religieux du discours ne sont pas des gens ouverts, ce sont des gens qui sont d'un dogmatisme qui a remplacé un autre dogmatisme. Et moi, ce que j'attends aujourd'hui dans la sphère publique, c'est que nos concitoyens, nous tous ensemble, avec nos religions, ou sans religion, athée, agnostique, hindou, bouddhiste, juif, chrétien, musulman ou autre, eh bien nous soyons d'accord sur le cadre légal qui s'impose à nous tous, mais que nous soyons les uns et les autres témoins dans l'éthique de notre foi. Moi, ce que j'attends d'un chrétien, c'est qu'il ait une éthique de vie, qu'il soit le témoignage de sa foi, sans qu'il me l'impose, mais qu'il puisse la partager. C'est ce que j'attends de n'importe qui. Vous pouvez donner un exemple ? Ben, simplement, dans notre vie quotidienne, on respecte la loi. Qu'est-ce que dit la loi ? Vous avez votre liberté de conscience et votre liberté de culte. Donc, par exemple, dans votre liberté de conscience, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, et vous pouvez avoir une expression, par exemple, d'une éthique sociale. Ce que j'aime et ce qui m'a beaucoup enseigné le chrétien qui m'a éduqué quand j'étais dans une société laïque comme Genève, c'est un homme d'une tradition chrétienne qui s'est battu pour les droits de l'homme et qui, son éthique, c'était d'être du côté des pauvres. J'aime ça. Pour moi, il est respectueux de la loi commune et il ajoute une valeur éthique à sa présence citoyenne. J'attends ça des juifs, j'attends ça des chrétiens, j'attends ça même des athées. J'ai rencontré des marxistes qui me disaient, tu sais quoi, il n'y a pas de Dieu et ton Dieu, c'est une aliénation. Mais quand ils venaient sur le terrain, ils étaient des citoyens qui m'ont enseigné la solidarité et la justice. J'aime ça, ils sont témoignants de leurs valeurs. Donc si c'est ça que ça veut dire, mon autorité personnelle, elle est dans la sphère privée, mais mon
ma présence publique ne m'interdit pas d'être en cohérence avec mon éthique, je pense que c'est là où nous sommes dans le vrai pluralisme. Toute autre attitude, pour moi, est extrêmement dangereuse, parce que ce que je reproche à certains laïcs aujourd'hui, c'est d'avoir transformé la laïcité en une nouvelle idéologie de combat qui ne dit pas que la laïcité, c'est vivre ensemble, mais qui dit la laïcité, c'est plus de religion du tout. Ça, c'est un problème. On va faire réagir tout de suite Nadia Guerre. Je ne vais pas vous relancer sur la question de départ, parce que je pense que vous pouvez enchaîner sur Tariq Ramadan immédiatement. Est-ce que, en tant que laïc, vous vous reconnaissez dans ce qu'il dit ? Non, pas du tout. Je pense que dans les propos de Tariq Ramadan, il me semble qu'il y a déjà quelque chose qu'il faudrait clarifier. C'est-à-dire que quand on parle de religion qui serait dans la sphère privée, bah, la sphère privée s'oppose à la sphère publique. Et je pense que c'est important de définir la sphère publique parce qu'on lui donne souvent deux sens qui sont en fait pas les mêmes et qu'on confond. C'est-à-dire qu'on peut, dans le langage courant, dire ben voilà, nous sommes en public et donc nous ne sommes pas en privé. Ici, par exemple, nous sommes en public. Alors est-ce qu'il faut dire, il faut en conclure que la religion n'a pas sa place publiquement? Non. La preuve, nous sommes là pour parler de religion et M. Ramadan a parfaitement le droit de parler de sa foi, tout comme j'ai le droit de parler de mon athéisme. Ça n'est pas du tout un problème. Par contre, il y a un autre sens du terme public qu'on oublie souvent et qui est plutôt celui qui m'intéresse moi et qui intéresse en général les laïcs, qui est la question de la sphère publique, c'est-à-dire la sphère du politique. Et en fait, c'est de ça qu'on parle quand on parle de séparation entre le privé et le public et entre le politique et le religieux. On parle vraiment du rôle que la religion prétend souvent, malheureusement, jouer dans la sphère du politique. Et donc, à ce point de vue-là, moi, je suis effectivement tout à fait radicalement laïque, c'est-à-dire que je pense qu'il est vraiment extrêmement important de préserver la sphère du politique des tentatives d'immixtion que le religieux peut tenter d'avoir sur cette sphère-là. Hervé Asquin. Est-ce que les laïcs sont devenus, à entendre Tariq Ramadan, les dogmatiques? Parfois, certains. Les intolérants du moment? Écoutez, d'abord, je voudrais mettre une chose au point. Si j'ai abandonné la religion catholique à l'âge de 14 ans, ce n'est pas évidemment pour entrer dans une religion laïque. Alors, je voudrais tout de même rappeler un certain nombre de principes, parce qu'il faut, je crois, tout de même éclairer notre débat en étant clair sur l'utilisation des mots. Moi, je n'ai pas lu le génie de l'islam, mais j'ai lu le livre de M. Ramadan sur être musulman en Europe et en Occident. Ça se rapproche beaucoup plus, je crois d'ailleurs, de la thématique de notre débat d'aujourd'hui. La laïcité, parce qu'on en parle, donc autant y aller. Comment peut-on définir la laïcité? Je crois qu'il y a trois conditions à remplir. Et Jean Bobéro, qui est dans la salle, je crois, nous y avions travaillé dans une déclaration universelle de la laïcité pour le 21e siècle en 2005. C'était un, le respect des libertés fondamentales, c'est-à-dire croire ou ne pas croire. J'insiste sur le ne pas croire, parce que les mécréants sont facilement des cibles dans certaines religions en particulier. C'est aussi la séparation du temporel et du spirituel. Et enfin, troisièmement, c'est dire non aux discriminations et aux discriminations entre hommes et femmes. Voilà le cadre. Évidemment, dans votre livre, vous me posez un problème. Mais vous n'êtes pas le seul théologien à me poser un problème. Quand j'entends certains théologiens catholiques ou quand j'entends quelqu'un comme André Chouraqui il y a 15 ans, ici à Bruxelles, on parle du dialogue interconfessionnel, et c'est ce que vous faites en abondance avec des mots choisis dans votre ouvrage, mais interconfessionnel, ça veut dire on parle entre hommes et femmes qui adhèrent à une religion. Généralement, il n'y a pas d'espace pour les autres, c'est-à-dire les agnostiques et les athées. Or, le problème que pose parfois l'islam, parfois aussi les autres religions, ne l'oublions pas, il y a tout de même là un point commun, c'est l'attitude à l'égard des mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne se reconnaissent pas dans une religion bien déterminée, qui ne croient pas en un Dieu. Je voudrais pour préciser qu'il y a 15-20 ans, au Palais des Congrès, devant 1700 personnes, quand Chouraqui présente la Bible et se lance dans une extraordinaire mélopée sur le dialogue entre les religions, j'étais là pour tirer les conclusions. Je fais remarquer que
c'est bien, mais qu'en tant qu'agnostique, je me sens exclu de son discours. S'il y a 1500 personnes dans la salle, il y en a 1000 qui se lèvent pour m'injurer. N'est-ce pas, chrétien? Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y a un prêtre jésuite qui vient me trouver et qui me dit, vous avez compris, monsieur Asquin, qu'il y a encore un grand chemin à faire en ce qui concerne la tolérance. Je veux montrer par là les ambiguïtés et l'espace public. Si on peut se poser la question, parce que quand je vois ce qui se passe en France, il y a tout de même une dérive parfois dans le discours laïque où le discours, ça ne consiste pas à dire religion privée, mais quand on parle de l'espace public, comment voulez-vous qu'une région s'exprime, une religion s'exprime s'il n'y a pas un minimum de visibilité dans l'espace public? Mais justement, et on peut avoir le sentiment, dans certaines formulations laïques en France, et c'est ce qui explique que l'Observatoire de la laïcité en France est au bord de l'explosion aujourd'hui, même s'il a peut-être même explosé tout court, c'est qu'il y a une radicalisation du discours à l'égard du religieux, où on ne se contente pas d'anticlérical. Et je suis personnellement anticlérical et opposé à tous ceux et celles, à toutes les institutions, les religions, ou les convictions qui veulent s'arroger la légitimité du discours vrai et l'orthodoxie, mais de l'anticléricalisme, on passe à un discours anti-religieux, comme on l'a connu dans un certain nombre de pays à l'est du temps du communisme, par exemple, triomphant, où il n'y avait qu'un seul dogme qui pouvait être enseigné, c'était l'athéisme. Mais est-ce que je peux vous demander d'être un petit peu, peut-être, précis sur ce qui est, ce que vous trouvez admissible comme manifestation du religieux dans la cité? Qu'est-ce que vous trouvez, vous, qui est... Bon, je vais prendre un exemple. Donc, deux choses, par exemple. Moi, personnellement, je ne suis pas un obsédé du foulard. J'assume. Et voilà. C'est-à-dire? Mais le foulard... comment je vais dire, la population belge d'origine musulmane est extrêmement nombreuse en Belgique. Il y a tout de même 90% des femmes qui ne portent pas le foulard, il y a 10% qui prétendent le porter, c'est un signe d'identité pour des tas de raisons qu'on pourrait expliquer. Je ne vais pas stigmatiser quelqu'un à cause de ça. Mais vous aviez même dit une fois, dans un brouillon de discours, si je m'en rappelle bien, qu'il ne fallait pas faire une guerre pour un fichu. Oui, exact. C'était pas un brouillon brouillon de discours, je l'ai dit, et je le maintiens, n'est-ce pas? Et c'est vrai que si on n'a pas pris de mesures dans les écoles, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est parce que, en personne notamment, je m'y suis opposé. Je n'étais pas le seul, mais sur ce point-là, j'ai été extrêmement ferme. On peut parler du problème de la nourriture. Quand je vois que dans certaines écoles en France... vous mangez leur pâte tout le monde, et s'il y a du porc, il y a du porc, ben vous ne mangerez pas. Quand on en arrive à des extrémités comme celle-là, je dis que c'est de l'intolérance. Et je cite un dernier exemple personnel. J'ai une religion, une éducation très catholique. Une mère très catholique, elle a même donné des cours de religion. Et je me rappelle que vers 13-14 ans, quand, parce que c'était le Vendredi Saint, on m'interdit dans un restaurant de manger de la viande. Eh bien, je me suis senti violenté. J'ai tenu bon au restaurant. Jusqu'à ce que même dans ce restaurant de Bruxelles, en présence de mes parents, on finisse par me servir un steak. Parce que je trouvais ça extraordinaire. Qu'on voulait m'imposer quelque chose, finalement, qui était contraire à mes convictions. Et donc, je me souviens de cela. Et je pense à la réaction qui peut être celle d'autres croyants qui ont certains... Qui revendiquent la liberté de manger ce qu'ils ont envie de manger. Madame Geertz? Oui, j'ai vraiment envie de réagir sur ces questions, parce que je pense que, de nouveau, il faut revenir à un fondamental, en tout cas pour moi, qui est l'idée de la laïcité, donc séparation du politique et du religieux. Donc, dans mon esprit, les choses sont très claires. Le religieux s'occupe du domaine du spirituel, et le politique, l'État, s'occupe du domaine du temporel. Donc, la question que doit se poser l'État, c'est la question de savoir comment faire vivre ensemble des gens qui ont des convictions différentes. Alors, pour moi, une des meilleures définitions qu'on puisse donner de la laïcité, c'est une sorte d'agnosticisme de l'État, au fond. L'État ne se prononce pas sur la question de l'existence de Dieu, il ne sait pas. Il n'y a pas de preuve, ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. Donc, il va fonder la légitimité de ses lois, de ses règles, sur autre chose, c'est-à-dire sur le bien commun qui est délibéré ensemble, en démocratie, entre citoyens. Et donc, pour moi, ça veut dire nécessairement aussi
que l'État n'a pas à tenir compte dans l'établissement de ses lois de prescrits religieux quels qu'ils soient. Et une dérive à laquelle on assiste trop souvent, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que dès qu'un État interdit quelque chose qui est de l'ordre du religieux, on est dans l'accusation, c'est-à-dire, voilà, vous stigmatisez, vous discriminez, hein, c'est ce à quoi on a assisté notamment dans ce qu'on a dans les interdictions du port du voile, et je voudrais tout de suite préciser que je pense que parler du port du foulard, comme l'a fait M. Asquin, est beaucoup trop vague, parce qu'évidemment, il n'y a pas de position à prendre sur le port du foulard en général. D'abord, je préfère parler de voile, ça me paraît beaucoup plus clair, parce qu'un foulard, ça se porte autour du cou, c'est très joli, c'est un colifichet qu'on porte, qu'on enlève, etc. C'est un accessoire de mode, un voile c'est autre chose. Il n'entre évidemment pas dans mes intentions de revendiquer l'interdiction du port du voile dans les lieux publics, dans la rue, dans les cafés, dans les restaurants, dans les salles de concert, ici même, aucun problème. Ce dont on parle, c'est la question des écoles, la question des administrations, c'est-à-dire la question des lieux qui sont des lieux pour lesquels l'État a une autorité et a, me semble-t-il, tout à fait le droit de prendre position sur la question de savoir si on a ou non le droit d'afficher ses convictions religieuses dans certaines sphères précises qui relèvent de son autorité. Et de la même chose, et je voudrais terminer sur la question des menus alimentaires, la question de la France est un petit peu compliquée parce qu'en France, les élèves n'ont pas réellement le choix, c'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe chez nous, les élèves sont obligés de manger à l'école, ils sont en quelque sorte captifs. Dans le système scolaire belge, par contre, les enfants ne sont pas captifs. Ils peuvent rentrer chez eux, ils peuvent apporter leurs tartines, ils peuvent dans certains cas se faire réchauffer un plat au micro-ondes, etc. Et donc moi, je trouve que c'est très important que l'école, en tout cas l'école officielle, continue à envoyer un message très clair qui est de dire, voilà, nous fournissons une nourriture adaptée à tous les enfants. Notre souci, ça doit être un souci de nourriture équilibrée, repas chaud équilibré pour tout le monde. Et si à certains moments, le repas proposé ne convient pas à certains enfants pour des raisons religieuses ou autres d'ailleurs, c'est aux parents ou aux enfants, s'ils en ont l'âge, de prévoir eux-mêmes une alternative. Ça n'est pas à l'école officielle de prendre en charge cette alternative. Monsieur Ramadan, en fait, vous voyez que les sociétés occidentales sont très perturbées par cette question de jusqu'où on permet aux religieux de s'exprimer, de se manifester, comment on doit le gérer, comment on doit le gérer dans des horaires de travail aussi, comment on doit le gérer dans l'organisation de quartiers. Est-ce que vous pensez que le pouvoir public doit s'en préoccuper et jusqu'où il peut aller ? Non, il faut que nous ayons ce débat, il est très important, mais la nature de ce débat-là, je vous dirais franchement, si vous traversez l'Europe, et c'est ce que je fais tous les jours de ma vie, c'est un débat très franco-français, un peu colonisateur de l'expérience belge. Ce discours-là, on ne l'a pas dans pratiquement tous les pays anglo-saxons. L'Europe du Nord ne connaît pas ce problème-là. La question du foulard n'est même pas posée. La question de la viande et de la nourriture offerte à tous n'est même pas posée. Et donc ça nous amène, mais il faut quand même l'avoir. Ce n'est pas parce qu'ils ne se posent pas ailleurs. Pourquoi parce qu'ils sont plus décomplexés ou... Non, parce qu'ils sont moins légitimes ici qu'ailleurs. Je fais un constat de fait. Je vis en Angleterre, j'ai traverser et discuter avec toutes les sociétés d'Europe du Nord, ils n'ont pas ce problème, ils ne discutent pas de ça. C'est très francophone, en fait, c'est très francophone, et ça vient. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir ce discours. Deux choses que j'aimerais dire. Première des choses que vous avez dites, monsieur Asquin, et qui est très vrai, mais je l'ai revendiqué dans un livre que j'avais écrit déjà en 96, en 96, où j'ai mis en évidence, il ne peut pas y avoir de dialogue interconfessionnel, sans l'intégration dans toutes les plateformes des laïcs, des athées et des agnostiques, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'un débat pluriel. Ils font partie de la production de la législation ou de la morale commune et de l'intelligence commune. Nous devons avoir ceci. Donc ce sur quoi vous dites, je suis complètement convaincu. Pendant 25 ans, j'ai fait du dialogue interreligieux et j'ai toujours appelé à l'intégration d'autres réflexions. Mais ça, j'en ai parlé, c'est parce que dans votre dernier livre, en tout cas, ce n'est pas très explicite et je ne l'ai pas trouvé. Non, c'est un livre que j'ai écrit en 96, celui-ci. Celui-ci est le dernier. Mais donc, de toute façon, j'ai toujours défendu ça et dans un livre qui est sorti en septembre, je le dis avec force également. Deuxième des choses qui est importante sur cette discussion-là, le fait de dire la séparation de l'espace privé et de l'espace public, c'est la séparation des autorités, du religieux et de l'État. Je suis complètement d'accord avec ça. Le problème n'est pas simplement ceci, c'est à partir de quel moment l'État intervient dans les affaires religieuses et va gérer les affaires religieuses. Est-ce que l'on sait aujourd'hui ? Donc, vous n'avez pas
en Belgique la même structure de relations qu'en France, par exemple, puisqu'il y a eu une reconnaissance en 1974 de la religion musulmane et des autres religions. Est-ce qu'il ne serait pas simple de se dire que l'État intervient dans les affaires religieuses quand la religion enfreint la loi, quand la religion enfreint... Exactement. Mais le problème... Les bases, le socle de la société dans laquelle on se trouve. Le problème, c'est qu'à partir d'un certain moment, et c'est arrivé dans mon pays, la Suisse, comme c'est arrivé en France, c'est que la loi commune, elle pose un problème, parce que tout à coup on se dit, mais est-ce que c'est possible ou pas? La question du foulard a été posée, au point qu'en 2004, on a changé la constitution qui, dans un premier temps, le permettait. Et si elle ne le permettait pas, pourquoi alors changer la constitution? La construction de mosquées en Suisse. La construction de mosquées ou les minarets, c'est-à-dire, il faut quand même se rendre compte que des gens sont allés jusqu'à un processus d'interdiction de la construction de minarets, alors qu'il y a 4 minarets en Suisse. Donc, en l'occurrence, et les minarets qui sont construits sont tous construits par des États du Golfe. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est tous ceux qui payent. On gère la loi quand on paye. Mais la loi, je voudrais qu'on puisse, déjà plus que 20 minutes, hein, ouais. Ça va vite, qu'on essaye de voir comment, dans votre optique, et puis la réaction des autres, on définit cette loi. Est-ce que c'est la loi existante, actuelle, dans les pays démocratiques, ou est-ce que, comme vous l'avez entendu, je ne vais même pas dire sous-entendu, mais entendu à un moment, on doit se mettre autour de la table et voir en fonction des différentes confessions, et en acceptant la laïcité autour de la table, quelle est la loi sur laquelle on va vivre à l'avenir. Non, écoutez, je demande depuis 20 ans l'application stricte et égalitaire du cadre laïque de la loi, et française, et belge, et de tous les pays. Stricte et égalitaire. Mon problème, ce n'est pas la lettre de la loi. Mon problème, c'est son interprétation, parfois à géométrie variable. Qui fait dire, par exemple, parce que ça ne suffit pas de dire c'est la loi. Tout à l'heure, M. Asquin parle de Jean Bobéro, qui lui parle, en France, de courants laïques, fondamentalistes, qui ont une lecture de la laïcité, qui veut imposer une sorte d'exclusion du religieux, alors que lui, il dit, mais la laïcité, c'est pas ça. Donc, il ne s'agit pas de dire la loi. Il s'agit aussi de savoir l'interpréter. Et parfois, vous interprétez la loi de façon inclusive et parfois de façon exclusive. Ma position, elle est claire, du point de vue de la loi. Je veux que être cohérent ici, comme je peux l'être dans des sociétés majoritairement musulmanes. Mais la loi, ça peut être des accommodements raisonnables. Décider, par exemple, que les piscines ont lieu pour les femmes à des moments différents. Mais vous savez, ouais. On l'a fait pendant des années avec des communautés juives, ça a posé de problème à personne. C'est dès que ça apparaît avec les musulmans, tout à coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandaient, eux, ce que vous aviez accepté pendant des années pour d'autres. Mais moi, c'est pas ce que je veux l'application de la loi. Et moi, beaucoup moins large. Quelle est votre position alors sur cette histoire? Des piscines. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire en disant qu'il faut qu'il y ait une réciprocité. Je veux dire par là que l'application égalitaire ne fait de différence ni avec les chrétiens, ni avec les juifs, ni avec les musulmans, ni avec personne. Si on l'accepte pour certains, on l'accepte pour d'autres. Et si on ne l'accepte pas, il faut que ce soit une discussion où on mette les limites. Mais aujourd'hui, ça n'est pas. C'est une application à géométrie variable. Et ma position, elle est claire. Par exemple, on a parlé du foulard. Je suis clairement pour une position que je défendrai partout, qui est entendue partout, sauf en France, et parfois pas en Belgique, même si en Belgique, on m'entend davantage. Il est interdit. Interdit. Et je me battrai jusqu'au bout contre tout État qui imposera à une femme de devoir porter le foulard. Raison pour laquelle je prends ici, comme je le fais depuis 25 ans, position contre l'Arabie Saoudite, contre l'Iran. C'est une chose que je ne peux pas admettre. Mais de la même façon, je le dis avec la même force, il n'appartient à aucun État à imposer à une femme de l'enlever. Ça doit être son choix, il faut le défendre. Y compris dans l'administration publique, y compris au guichet des maisons communales, y compris... Mais quel est le problème? Est-ce que franchement, l'autorité et la neutralité de l'État se dessinent à la façon dont vous vous habillez? Je trouve ça, mais vraiment, comme si la neutralité de l'école consistait à savoir comment on s'habille. La neutralité, c'est ce que vous enseignez, c'est pas la façon dont vous vous Madame Geertz, monsieur Asquin. Mais non, je pense que c'est extrêmement réducteur. C'est un débat évidemment extrêmement récurrent et qui oppose traditionnellement les partisans d'une neutralité d'apparence et ceux qui se prétendent partisans d'une neutralité de service. Et je crois que c'est une très très mauvaise manière de poser la question, parce que évidemment, je pense que tout le monde est d'accord
j'espère, ici sur le fait que les fonctionnaires, les représentants de l'État doivent évidemment accomplir leur mission de manière neutre. Donc leur service doit bien évidemment être neutre. La question, c'est est-ce qu'ils doivent aussi apparaître comme neutres avant même d'ouvrir la bouche, en quelque sorte, d'entrer en dialogue avec les usagers. Et ma réponse là est oui, parce que je pense qu'il ne faut pas, j'ai envie de dire, se voiler la face. La manière dont on apparaît n'est pas neutre. Elle dit beaucoup de nous. Je veux dire, je crois que c'est tout à fait illusoire de prétendre que seul le contenu de notre discours dit quelque chose. Est-ce que je peux vous poser une question là-dessus? Pourquoi, bien sûr. Pourquoi ça ne pose absolument aucun problème à l'Espagne, à l'Italie, au Portugal, à la Norvège, à la Suède, à l'Angleterre, à tous les autres pays? Pourquoi? Pourquoi tout à coup on a ce problème quand vous arrivez à un guichet en France ou en Belgique, la tenue vestimentaire vous dit « Ah, il y a trop de religieux de ce que vous représentez » et partout ailleurs c'est pas un problème? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que ça c'est de la laïcité ou c'est une certaine lecture de la laïcité? Mais je pense que quand vous dites qu'il n'y a pas de problème, déjà ce serait quelque chose qui mériterait d'être investigué, parce que je pense que le modèle anglo-saxon génère des problèmes. C'est pour ça que j'ai parlé de l'Espagne. L'Espagne, ce n'est pas anglo-saxon. Oui, mais, d'accord, mais si vous permettez que j'aille au bout de mon idée, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a le choix, en quelque sorte, entre demander aux représentants de l'État d'être avant tout des représentants de l'État et de mettre de côté leurs appartenances particulières dans l'exercice de leurs fonctions, ou être dans un modèle plutôt pluraliste, et je pense que c'est ce que vous défendez, où on dit, ben voilà, finalement, les représentants de l'État représentent les différentes composantes de la société, et donc il n'y a pas de problème à ce qu'ils apparaissent comme des représentants de certaines tendances. Et cette logique-là pousse à des sociétés qui sont malheureusement sur la voie d'un communautarisme qui est parfois extrêmement problématique. Je rappelle quand même l'existence, par exemple, de tribunaux religieux en Angleterre pour régler des affaires de droit familial, l'existence d'hôpitaux aussi, qui sont des hôpitaux confessionnels. Alors, pour revenir à ce qui... Mais des hôpitaux confessionnels, vous en avez à Paris, vous en avez même dans... C'est pas la question, vous répondez pas à ma question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, franchement, en me regardant droit dans les yeux, vous pouvez dire que en Belgique, en Italie, ou en Espagne, ou au Portugal, ou en Norvège, ou en Suède, ils sont plus communautaristes que la Belgique? Quand les débats que vous avez en Belgique sont liés à la politique urbaine, où on a parqué les gens dans certaines cités ou dans certains lieux, quand on a des problèmes de concentration de population qui sont de même origine, c'est où le problème? Ils ont moins de problèmes de communautarisme entretenu politiquement et sur la politique urbaine qu'ici. Et ah oui, vous êtes attendez, en train, et vous, là, et vous, vous allez regarder, vous regardez l'Europe et vous leur faites la leçon. Je vais vous faire plaisir, monsieur Ramadan, en vous regardant dans les yeux. Oui. Je veux dire, la Belgique est évidemment un pays qui n'a de leçons à donner à personne en matière de communautarisme, puisque nous sommes un des pays les plus communautarisés du monde, je vous l'accorde. Et d'abord, linguistiquement parlant, évidemment, nous avons construit toute notre histoire sur une reconnaissance de piliers confessionnels, de piliers linguistiques notamment. Simplement, mon propos consiste à dire que maintenant, il est temps d'en finir avec cette logique de piliers. Alors, je vous suis tout à fait quand vous dites que les musulmans revendiquent à certains moments des choses qui ont déjà été accordées à d'autres communautés religieuses. C'est tout à fait vrai en Belgique, effectivement. La communauté musulmane a revendiqué à un moment donné pour elle-même, par exemple, le financement du culte musulman, puisque le culte protestant, le culte catholique, le culte juif, était orthodoxe, etc., anglican, etc., était déjà reconnu et financé. Moi, je dis simplement, à un moment donné, il faut pouvoir remettre les cartes sur la table et se dire, ben, faut-il continuer dans cette logique de reconnaissance de différents piliers, ou faut-il revenir à quelque chose qui m'apparaît comme plus laïque, plus égalitaire et plus sain, qui consiste à dire l'État n'a pas à financer les religions, quelles qu'elles soient, l'État n'a pas non plus à organiser des traitements différenciés des communautés religieuses pour permettre aux membres de ces communautés de pouvoir respecter leurs prescrits religieux, ça n'est pas le travail Monsieur de l'État. Askin, est-ce que les Belges auraient un problème particulier avec la visibilité de l'expression religieuse? Nous sommes très marqués par la France. Et c'est une source d'ambiguïté phénoménale d'ailleurs. Parce que la laïcité telle qu'on l'entend en France est assez différente de la laïcité telle que nous l'évoquons souvent en Belgique. Bah ici, il y a 73% des gens qui disent dans la sphère privée, la religion dans la sphère privée. Simplement que les mêmes mots ont des significations différentes en France et en Belgique. Qu'il y a donc là une ambiguïté fondamentale. Mon avis sur la question, c'est que quand on compare le résultat
des politiques, je ne dis pas d'assimilation, d'intégration des nouvelles populations avec leur diversité culturelle et religieuse. Personnellement, j'arrive à la conclusion que le communautarisme dit anglo-saxon et la laïcité à la française se traduisent par deux échecs. Il suffit de voir ce qui se passe en France avec l'école dite de la République qui est censée mettre tout le monde sur un pied d'égalité, développer toute une série de vertus, d'idéaux, etc. On l'a vu ces derniers mois à l'occasion d'événements tragiques. Donc, je crois qu'il faut, en tant que laïc, qu'on ait le courage de se dire, en tout cas en Belgique, qu'il faut essayer d'inventer une troisième voie. Je n'ai pas de solution à vous servir. Mais en tout cas, le communautarisme anglo-saxon renforce, c'est vrai, un certain nombre d'identités, met l'accent sur l'appartenance culturelle et religieuse. Et la laïcité, telle qu'on la conçoit en France, a de plus en plus tendance à nier le fait religieux. Donc, je trouve que la Belgique a une conception de la neutralité. La laïcité n'est pas inscrite dans la Constitution. Et je dirais que c'est un bien, parce que le problème des Français aujourd'hui, c'est qu'ils ont la laïcité dans la Constitution. Qu'est-ce que ça change dans la société française, dans les écoles, par rapport à tous les jeunes qui fréquentent aujourd'hui la France et qui se sentent étrangers dans la France? Il y a là un échec phénoménal. Problème un petit peu autrement, donc oui. On a bien compris que vous n'êtes pas d'accord sur la manière dont, entre vous, dans la manière dont on peut réguler la présence de la religion dans l'espace public, et avec une conception espace public, peut-être une différence entre ce qui est administration et l'école, etc. Puisque le thème du débat est la religion dans la cité, prenons-le autrement. Est-ce que, par exemple, les politiques urbaines peuvent aider à régler le problème causé peut-être par la manifestation de la religion? Je prends un exemple, ici à Bruxelles, on a beaucoup accusé, notamment, et on a beaucoup comparé la manière dont Molenbeek est organisée, dont Saint-Gilles est organisée. Pourquoi? Parce que certains ont dit qu'à Molenbeek, on n'avait peut-être pas géré une politique de mixité de population, de religion et d'origine, qui faisait en sorte qu'on avait ghettoisé un quartier avec une manifestation extérieure religieuse qui est devenue insupportable pour certains, puisque c'est l'idée pour certains qu'on ne peut plus acheter de boissons alcoolisées. Enfin, il y a eu toutes ces choses qui ont été écrites dans la foulée des événements de Molenbeek. Et par contre, certains disent qu'à Saint-Gilles, on a eu une politique immobilière et une politique de gestion des populations qui fait en sorte qu'on a rendu une mixité beaucoup plus large, qui fait que peut-être la notion de ghetto qui a été prononcée est beaucoup moins forte. Est-ce que la politique urbaine n'est peut-être pas une meilleure manière que la Constitution de gérer cette diversité? Je voudrais encore dire un mot. Quand vous comparez la France et la Belgique, et j'étais devant une assemblée de francs-maçons et de laïcs lundi soir à Paris, je leur ai dit parfois des choses désagréables. Parce que je suis étonné d'entendre les laïcs français, quand ils parlent de ce qui se passe dans les villes, on parle les banlieues et les quartiers, la population des banlieues et des quartiers. C'est méprisant. Ça veut simplement dire ce sont ceux, les ghettos, étrangers, musulmans sans doute, qui vivent dans ces quartiers. Je ferai remarquer qu'en Belgique, nous ne connaissons pas cela. Beaucoup moins, beaucoup moins. Vous venez de citer une exception. Mais il y a donc davantage d'intégration. Et je crois que le modèle belge où il y a indépendance réciproque du temporel et du spirituel, la subsidiation des cultes. Vous savez, la laïcité aujourd'hui est subsidiée. Mais monsieur, je m'étais dit, est-ce que, et j'y ai aidé parce que l'inégalité de traitement entre les religions subsidiées et la laïcité était tout de même criante par rapport à l'évolution des opinions. Mais ce que j'avais dit au Parlement à l'époque, je m'en souviens, c'est que ce que je craignais, c'est qu'une fois qu'elle serait financée, la laïcité n'aurait plus envie de revenir en arrière. Et donc vous avez un système en Belgique, acceptons-le. Réformons-le. Je voulais que c'est important. Oui. Mais non, je voudrais simplement rappeler que cette reconnaissance de la laïcité et son financement sur le budget des cultes contribue à encore obscurcir le débat. Je veux dire, quand on parle de laïcité, on ne parle pas d'athéisme. Je veux dire, la laïcité n'est pas une religion et n'est même pas un corpus convictionnel. Je veux dire, c'est simplement un principe politique d'organisation de l'État. Et donc, à partir du moment où on accepte de parler de laïcité à côté des religions, moi, je, je,
je bondis, je me dis on est vraiment dans un malentendu tout à fait délétère. Je peux répondre brièvement. On va rester. C'est important pour le public. Très brièvement. Tout est important. Et les questions que nous allons poser également. Non, mais c'est, écoutez, non, il y a des précisions qui doivent être données. Une trentaine de secondes. Personnel, à titre personnel, je suis contre le financement. Et j'estime que l'impôt d'église tel qu'il existe dans certains pays serait l'idéal. Ce que je craignais se vérifie il y a quelques années, quand pour la formation d'un gouvernement, on a fait le tour des églises et du centre d'action laïque. Il fallait bien constater que tous désiraient que l'on maintienne le financement. Je propose qu'on reste On va revenir à la ville. Oui. Parce que je pense que... J'aurais des choses à dire là-dessus, mais je vais y revenir à votre question. Parce que cette question, à mon sens, elle est fondamentale. Monsieur Asquin dit, et il a raison, la façon dont on peut s'exprimer sur la question des banlieues ou sur la question des cités est un peu différente en France qu'elle l'est en Belgique. Maintenant, on ne peut pas ne pas reconnaître, en particulier à Bruxelles, que vous avez des concentrations de population, et c'est dramatique ce qui est en train de se passer, parce que il y a une concentration historique. Bon, il y a eu des raisons historiques à cela. C'était beaucoup plus facile de les accueillir de cette façon-là. Les personnes restaient entre elles. Ça nous permettait de savoir où elles étaient. Et à un moment donné, il y a... Ça s'est aussi fait par absence de politique. Exactement. Mais oui, par absence de politique ou par facilité politique aussi. Et puis, tout à coup, maintenant, on s'aperçoit que cette concentration, elle va développer une surexposition de la visibilité ou de traitement. Diriez que cette concentration engendre une radicalisation de l'intégrisme? Non, je pense pas. De toute façon, ce sont des phénomènes totalement marginaux, ces questions de radicalisation. Marginal qui occupe pas mal de gens. Mais non, mais attendez, il faut qu'on soit sérieux. Il faut que l'on condamne et que l'on dise maintenant, vous ne pouvez pas exposer toute la région de Molenbeek en disant c'est le terreau de tout ceci. Ceux qui sont dans ces... Il n'y a pas de Donald Trump dans la salle, je vous rassure. Non, mais il faut de ce point de vue, parce que c'est très sérieux. Les conséquences qu'il y a sur les populations, c'est très important. Quand vous ciblez un lieu, il y a des gens qui peuvent entrer dans des réseaux. Mais encore une fois, ne prenez pas simplement l'exemple de la Belgique, prenez l'exemple de tous ceux qui ont versé dans le radicalisme ou dans... Le mot le plus juste, c'est l'extrémisme violent. Ils ne sont pas forcément issus de ces milieux-là. Ils sont parfois embrigadés par Internet et ce n'est pas forcément leur lieu. C'est pour ça que moi, cette association en disant ils sont perdus socialement, donc ça explique leur violence extrémiste, ça me pose un problème. Mais moi, ce qui m'amène à votre question, elle est celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un double phénomène. On a un premier phénomène qui est... le fait que l'on doit regarder deux choses. Il y a la politique urbaine. Il est aujourd'hui urgent de considérer que si nous sommes sérieux sur le vivre ensemble, il faut une mixité sociale qui passe par l'habitat. C'est-à-dire qui fasse en sorte que les ghettos de concentration de population en sortent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont, on lutte aussi contre les discriminations à l'habitat, comme les discriminations à l'emploi. Parce que tout ça, c'est connecté. Et moi, mon problème, je l'ai dit il y a plus de 25 ans, l'islamisation des problèmes socio-économiques est problématique. C'est-à-dire qu'on a des problèmes socio-économiques et on dit c'est l'islam. Mais non, il y a un vrai problème sur le terrain, c'est-à-dire discrimination à l'emploi, c'est-à-dire de concentration de la population. On ne peut pas en sortir comme ça. Deuxième élément qui est lié, il ne peut pas y avoir de politique urbaine s'il n'y a pas de politique éducative qui promeuve la mixité à l'école. Moi, je suis un enfant de l'école genevoise laïque. Et ça ne m'a pas enlevé ma religion, mais ça m'a permis d'interagir avec une population. Si vous mettez les gens toujours les mêmes dans la même politique éducative, et bien vous faites et vous fomentez, vous promouvez, vous alimentez le sentiment de l'isolement et de la différence. Donc en fait, c'est l'école, politique scolaire et politique urbaine en même temps que ce dialogue dont on parle sur le religieux. Mais s'il n'y a pas ceci, on ne fait simplement que surfer sur la surface, sur le fait de « Ah, c'est la religion le problème ». Mais non, la religion, elle n'est pas le problème. La religion, c'est la conséquence d'un problème plus profond. Aga Geert, réaction. Oui, alors évidemment, moi j'ai envie de dire à contrario qu'il me semble qu'il y a parfois une...
Donc je pense au contraire qu'il y a parfois une socio-économisation des problèmes religieux. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut quand même reconnaître que le socio-économique n'explique pas tout. À titre d'exemple, je voudrais rappeler que les terroristes du 11 septembre étaient tous des intellectuels, des universitaires, et ce n'étaient pas des gens qui étaient réduits à tenir les murs de leur cité parce que personne n'avait voulu les engager. Ils avaient du boulot et un bon travail, et ils étaient bien payés. Ça n'a pas empêché la radicalisation. Ça n'a rien à voir, mais de quoi vous parlez? Je parle exactement de ça, monsieur Ramadan. Voilà. Je voudrais dire autre chose. Attendez, j'ai pas terminé, monsieur, je vous ai pas interrompu. On est en train de parler de la question de l'intégration et on prend les extrémistes comme étant, eux, la preuve de la non-intégration. Jusqu'à preuve du contraire, ces extrémistes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, où j'étais dans la task force de gouvernement, ce sont des gens qui souvent sont éduqués, maintenant ils commencent à l'être de moins en moins, et qui sont totalement marginaux par rapport à la présence religieuse. Justement, je voulais revenir peut-être sur quelques chiffres pour qu'on parle quand même qu'on sache de quoi on parle. Je voudrais revenir sur une étude qui a été faite récemment sur 1200 musulmans en Belgique, à qui on a posé trois questions. La première question, c'était trois affirmations qu'on leur a proposées. La première, c'était les musulmans devraient retourner aux racines de la foi. La deuxième, c'était il n'y a qu'une seule interprétation du Coran et tout musulman devrait s'y tenir. La troisième, c'était les règles du Coran sont plus importantes que les règles du pays dans lequel je vis. Pour ces trois affirmations, plus de 50% des musulmans de Belgique ont répondu qu'ils étaient d'accord. Alors, effectivement, tous les musulmans sont certainement loin d'être des terroristes, mais je pense qu'en même temps, il y a un problème de radicalisation, il y a un problème de supériorité, de suprématie de la loi religieuse par rapport à la loi civile, qui est quelque chose d'assez répandu parmi la communauté musulmane. Il nous reste 2 minutes, c'est très compliqué de se lancer dans ce débat-là qui est un autre débat en soi. Ouais. Monsieur Écoutez, Askin. Il y a un phénomène mondial qui dépasse l'islam, même si l'islam est très prégnant dans nos sociétés à la suite de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on constate un retour du religieux qui traverse absolument toutes les religions. Et on peut parler d'intégrisme, de tendance intégriste, de mouvement intégriste, absolument dans toutes les religions. Vous savez, vous en avez à l'intérieur du mouvement catholique, vous en avez dans le bouddhisme, on oublie ce qui se passe dans un certain nombre de pays en Asie, vous en avez dans le judaïsme, vous en avez dans certains mouvements dits protestants, et vous l'avez évidemment, et nous en souffrons, et la population musulmane et des musulmans en est la première victime, ce radicalisme islamiste qui travestit, ou qui en tout cas donne une lecture fondamentaliste de l'islam. Donc ça c'est un vrai problème aujourd'hui, d'où l'importance de la philosophie, de ce que j'évoquais déjà de nombreuses années. Essayer progressivement d'amener les jeunes à avoir une vision, j'allais dire, comparative des religions, d'introduction à la philosophie pour apprendre à relativiser les choses. Je me permets de vous ramener au débat aussi. On a parlé de mixité, de nécessité de mixité sociale, de brassage de population. Or, on voit dans les votes extrémistes politiques, cette fois-ci, en France, une volonté de rejet de cette mixité, de ce brassage. Est-ce que dans les villes, il y a moyen d'organiser cela? Comment est-ce qu'on y va? Quelle est l'utopie qui permettrait, peut-être pour conclure ce débat en quelques secondes chez chacun d'entre vous, la façon de rêver la ville de demain dans laquelle au moins cet espoir que les gens puissent vivre les uns à côté des autres se fasse de manière la plus harmonieuse possible, en respect des uns et des autres. Très rapidement, je pense que, pour moi, ça c'est le projet de l'avenir. Et ça demande deux choses. D'abord, pour vous dire, la mixité sociale, c'est pas forcément quelque chose qui vous fait élire pour les prochaines élections. Donc il faut un courage politique et une longue vue. C'est-à-dire, il faut pas travailler... Parce que dans les sociétés, dans les espaces périurbains, c'est là où on est le plus... On se regroupe entre soi. Donc, aujourd'hui, commence à faire peur. Ce que vous avez dit est tout à fait vrai. On a maintenant, par rapport à la globalisation, par rapport à l'Europe, une tendance à se refermer sur soi. Et donc, on est plutôt dans un discours qui va plus sur la droite, mais à la fois sur l'extrême droite, d'un discours sur l'identité qui se referme. Et donc, ça demande du courage politique. Et la deuxième chose, ça demande une vue longue, une vision politique. Ça demande aussi de lier tout ceci, cette mixité, c'est-à-dire une politique urbaine qui est liée à une politique
éducative. Et j'aimerais juste, puisque c'est le dernier mot que j'ai à dire, répondre quand même à ce que qui vient d'être dit. Il ne s'agit pas pour moi de dire que ça remplace le vrai dialogue religieux. Hein. Non, mais excusez-moi. Non, mais c'est vrai. J'aimerais dire une chose, parce que qu'on se comprenne pas mal. Dans ce que vous dites et les questions que vous posez aux faits religieux, moi je suis le premier à dire, oui, on doit poser des questions religieuses, oui, on a des problèmes d'interprétation, oui, on peut se jeter à la figure des statistiques qui montrent qu'on respecte. Non, on a des problèmes. Et toute la dimension, moi je milite de l'intérieur pour que les musulmans renouent avec la philosophie, avec la pensée critique, même avec quelque chose dont on ne parle pas. J'ai parlé dans les sociétés majoritairement musulmanes en disant l'une des plus grandes crises, c'est la fracture qu'il y a entre les musulmans, l'imaginaire, l'art et la créativité. Tout ça, on est d'accord, mais ne nous mettons pas dans une position où la discussion sur un domaine renvoie et rejette la discussion sur l'autre. Ce sont des choses qu'il faut aborder de façon complémentaire et ensemble. Le religieux de l'intérieur nécessite une critique fondamentale, une réforme de la réflexion, mais il y a aussi tout un pan social, culturel, d'ouverture que nous avons à mener aussi ensemble. Nadia Girtz. Donc, si vous pouvez répondre sur la question de Jean-Pierre, parce que pour le reste, je pense que vous devrez continuer la discussion donc, un peu. Oui, sur la question de la mixité. Vous savez, moi, je suis enseignante, hein, et donc ce qui m'interpelle quand même quand je vais en visite dans des écoles, c'est de voir qu'il y a des quartiers bruxellois et des écoles bruxelloises qui sont extrêmement ghettoisées. Non seulement nous avons aujourd'hui dans la population scolaire un bon 40% d'élèves musulmans dans l'enseignement officiel, mais dans certaines écoles, ça monte à 90 ou 95%. Et donc, effectivement, ça devient extrêmement compliqué, me semble-t-il, de développer une approche citoyenne devant un public aussi homogène, finalement. Et donc, je pense que ce qui est important au niveau scolaire, donc outre, effectivement, lutter contre les ghettos scolaires et aussi les ghettos urbains, c'est aussi de développer une approche citoyenne, c'est-à-dire de cultiver chez les jeunes, chez les adultes et les citoyens de demain, une appartenance citoyenne au-delà de leurs différentes appartenances communautaires. Et ça, je pense qu'on ne peut le faire que dans la rencontre de l'autre pour essayer de dépasser, justement, ces appartenances. Monsieur Asquin, un mot de conclusion ? Oui, mais écoutez, Monsieur Tariq Ramadan sera certainement d'accord avec moi, ne faisons pas de promesses d'ivrogne. je suis d'accord avant même que vous parliez. Bon, je dirais que en politique, il faut du courage. Celui qui a parfois trop de courage court le risque de ne pas être réélu. Ça, c'est un vrai problème. Deuxièmement, j'attire votre attention sur un point. Ce n'est pas du pessimisme de ma part, c'est simplement du réalisme. On ne régente pas la nature humaine par décret ou par des lois. L'éducation, vous le savez tous et toutes, ça prend du temps. Donc, ce qui doit se mettre progressivement en place, et on peut se rallier à ce qui a été dit, ça va prendre 10 ou 15 ans. Nous travaillons maintenant pour les générations futures. Pour certains, il est déjà trop tard. Vous êtes sûr qu'on y travaille déjà ? Jean-Pierre. Certains, en tout cas. Et voilà, je vais terminer par une parole œcuménique. Hein. Dieu reconnaîtra les siens. Mais... Voilà, je vous remercie.